Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo Quoi de neuf dans l'atelier. Donc c'est le Quoi de neuf dans l'atelier de juillet. Je vais aborder avec vous un petit peu ce qui s'est passé sur mon mois de juin. Et comme ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vue, je vais en profiter pour parler un petit peu du mois de mai et de la mi-avril pendant laquelle vous ne m'avez pas vue. Du coup voilà, histoire de faire le point et de papoter ensemble et de passer un petit moment agréable tous ensemble. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à prendre votre boisson préférée, à vous installer confortablement et c'est parti. J'ai envie de vous dire, un peu comme d'habitude avec Tata Céline, je souhaiterais faire un petit préambule concernant les problématiques sonores. Je vous explique la situation. J'ai actuellement une personne qui récure les sols en bas, dans mon immeuble, et qui utilise une machine qui est un peu bruyante. Donc je ne sais pas si le micro de mon appareil photo va le prendre, va le capter ou pas. Ce qui explique que je ne parle pas très fort parce que je suis un peu gênée finalement qu'ils m'entendent parler toute seule dans mon appartement. Et sinon, du côté de la place, j'ai des travaux. Mais vous allez me dire, mais c'est pas possible Céline, ça fait 5 ans que t'as des travaux. Mais oui, mais c'est ça, enfin, je ne mens pas, il y a des travaux, il y a des travaux sur l'ancienne poste. Là, ils sont concrètement en train de jeter des détritus du premier étage de l'immeuble dans la benne qui se trouve sur la place. Donc autant vous dire que ça fait quand même pas mal de boucan. Et histoire de rajouter une petite touche subtile à toute cette cacophonie sonore, il y a une scène qui est en train d'être installée. Du coup, on va entendre des bim bam boum. La scène est à 3 pas de mon immeuble. Donc voilà, vous risquez d'entendre des bruits. Et avec un peu de chance, ils vont peut-être tester ma sono pendant que je filme. Donc si vous entendez des bruits en arrière-plan, c'est que visiblement, j'ai pas réussi à tout enlever et tout atténuer pendant le montage. Et chose visiblement qui est en train de se passer, je suis en train de perdre la voix. Ça, c'était pas prévu. Donc j'espère que je vais réussir à finir ma vidéo. Ça serait quand même cool que je ne fasse pas un bonjour. Bon, ben je m'en vais. Au revoir. Voilà, voilà. Donc, quoi de neuf dans l'atelier pour le mois de juillet? Donc, ça fait depuis mi-avril que vous m'avez pas vu, que vous n'avez pas vu ma trombine. Je vous avais fait un petit message sur Instagram et sur YouTube dans l'onglet communauté. Tout simplement parce que je sentais que la crise venait. Je sentais que je récupérais de moins en moins au niveau fatigue, je récupérais de moins en moins au niveau douleur, et que les insomnies, les nuits blanches se succédaient. Donc je sentais poindre la crise, donc j'ai préféré temporiser, hein, c'est ce que je disais du côté fleur d'esprit mardi. J'ai préféré me mettre en retrait, vous faire le petit message pour vous prévenir, parce que j'ai toujours des personnes qui sont attentionnées et qui reviennent vers moi en me disant hey, on te voit plus, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que t'es pas bien? Est-ce que t'as besoin d'aide? Est-ce que... J'ai même des personnes qui sont proposées pour venir me faire mes courses. Vous êtes adorables, mais j'essaye de me débrouiller toute seule, c'est très gentil. Donc voilà. Je ne vais pas vous détailler plus que ça au niveau de mon absence. Vous avez maintenant compris le personnage et les implications que peuvent avoir des crises de fibro. J'étais pas forcément d'humeur à me mettre devant une caméra. J'ai été surtout pas en capacité intellectuelle de me mettre devant une caméra et de réussir à faire des choses concises. C'est déjà compliqué en temps normal. Et surtout intelligible pour vous, compréhensible et qui est... une cohérence dans mes propos. Voilà. Donc voilà, pause plus ou moins forcée depuis mi-avril. J'en ai profité en miss remise en question que je suis à faire le point un petit peu sur mes réseaux sociaux, à faire le point sur ce que je partage avec vous, etc. Et surtout à essayer de planifier un petit programme pour les mois à venir. Donc concrètement, j'aurais pu revenir au mois de juin. J'avais déjà repris un peu, remonté la pente. Mon mois de mai a été assez compliqué, très compliqué, physiquement et moralement. Mais au mois de juin, je commençais à réémerger de mon brouillard. Et du coup, j'aurais pu me remettre au taquet et commencer à filmer. Et puis à vous publier des choses. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire un peu comme l'année dernière. Timing pratiquement identique, parce que du coup je suis revenue au mois de juillet également l'année dernière, sauf que j'avais été absente depuis janvier. Donc je me suis dit que ça m'avait bien réussi l'année dernière, du coup de
commencé à prendre un peu d'avance. Donc, j'en avais pas pris autant que je voulais l'année dernière. Donc, cette année, je vais essayer d'être beaucoup plus structurée par rapport à ça. Mais ça m'avait bien réussi parce que finalement, je n'avais pas eu de loupé de juillet jusqu'à mi-décembre, jusqu'à ce que les microbes aient raison de mon système immunitaire. Finalement, j'ai envie de dire, on va reprendre un peu cette recette-là et on va essayer de l'améliorer et de la corser un petit peu, mais ça, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc voilà, grosse remise en question pour moi au niveau des réseaux sociaux. Quand j'ai commencé à m'installer pour réfléchir à ce que j'avais envie de partager avec vous au niveau des vidéos, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses que j'avais envie de partager du côté fleur d'esprit. Et je séchais complet du côté atelier fleur d'esprit. Mais quand je vous dis sécher, c'est que j'ai séché pendant 15-20 jours. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui cloche là-dedans. Parce que je suis une personne qui, créativement, a à peu près 1000 idées à la seconde. Je me suis dit, comment ça se fait qu'avec toutes les idées que j'ai, je n'arrive pas à trouver quelque chose qui m'intéresse à montrer sur YouTube ? Et donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être un souci quelque part et qu'il fallait peut-être que je revoie mon implication par rapport à cette chaîne Atelier Fleur d'Esprit. Et du coup, beaucoup de questionnements sur pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à trouver des choses à partager avec vous. Je suis désolée, je suis complètement avachie, je m'en suis pas rendu compte. Du coup, gros questionnement, grosse remise en question sur ce que je partage sur Atelier Fleur d'Esprit, sur qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît moins, est-ce que je prends du plaisir à le faire, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous appréciez, est-ce que j'ai des bons retours, est-ce que j'ai finalement encore réellement des choses à partager avec vous sur cette chaîne Atelier Fleur d'Esprit, est-ce que cette chaîne a encore de la pertinence? Voilà, c'est à peu près toutes les questions qui me sont trottées en tête durant ce mois de juin. Très honnêtement, j'ai pas encore la réponse à toutes ces questions. Je pense que j'ai encore une pertinence à partager des choses avec vous. Je pense et j'ai envie de continuer à partager avec vous, mais je ne sais pas encore si ça va rester sur la forme à 100% telle que je le fais maintenant depuis des années. Donc voilà, je suis encore en processus de construction par rapport à cette chaîne Atelier Fleur d'Esprit sur l'autre chaîne. Comme je vous dis, j'ai énormément de choses, donc la question s'est pas posée. Mon planning s'est rempli, j'ai même de quoi déjà filmer jusqu'au mois de juin l'année prochaine si je veux. Ici, j'ai vraiment une complication parce que les réseaux sociaux ont énormément évolué, parce que... l'implication qu'il peut y avoir de votre côté n'est plus le même parce que les retours... Alors, comment est-ce que je peux expliquer ça sans que ça fasse de suite négatif et caliméro? Les interactions avec les réseaux sociaux, avec les viewers, avec... ont complètement changé. Je l'expliquais aussi sur Fleur d'Esprit, je suis désolée, du coup ça va faire un peu redondant si vous regardez les deux vidéos, mais si on prend le temps de regarder un petit peu les réseaux sociaux, on se rend compte que il y a beaucoup moins d'authenticité, de spontanéité qu'avant. Avant, on voulait aller sur YouTube, on voulait partager des choses, on sortait son téléphone ou son appareil photo qui n'était pas du tout HD, on se calait comme on pouvait avec 2-3 livres, un miroir pour voir l'arrière de notre écran parce qu'on n'avait pas le retour image. Bref, on faisait ça avec 3 bouts de ficelle. On prenait plaisir à le faire et les autres prenaient plaisir à recevoir ça et on échangeait. Et maintenant, je trouve que tout doit être parfait, lissé. Le son doit être nickel, la lumière doit être nickel. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas mentionné, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait, de suite, on se fait casser. Et je me dis, à quoi bon continuer à partager si c'est pour qu'au final, les gens ne voient que le négatif et pas forcément le positif, les choses que l'on a vraiment envie de partager avec les gens, etc. Donc là, je fais une généralité des réseaux sociaux en général. Je ne parle pas forcément de mon cas en particulier parce que j'ai de la chance. J'ai pas énormément de commentaires désagréables et quand ils sont désagréables, j'arrive à les désamorcer. Soit parce que c'est des gentils petits trolls, soit parce que le commentaire était justifié. Dans ces cas-là, je le prends en considération et j'apporte les modifications qui s'imposent si ça va avec
mon envie de, comment dire, avec ma ligne éditoriale, je ne sais pas si ça peut fonctionner pour une chaîne YouTube, mais voilà. Mais je trouve que les réseaux sociaux ont quand même énormément, énormément, énormément évolué et pas forcément en bien. Et je me posais la question tout simplement si j'avais encore ma place dans ces réseaux sociaux-là, parce que je suis une personne qui, certes, veut essayer de proposer un contenu de qualité. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé il y a quelques années un appareil photo HD au papa Noël. Mais je ne veux pas perdre en spontanéité et en authenticité. Et du coup, je ne cadre pas forcément avec les demandes des gens autour. Les gens veulent du lissé, veulent du parfait, veulent un cadre de rêve, veulent des vidéos prêts à emporter, fait en 5-6 minutes. Et je cadre pas du tout avec ça. Donc voilà, comme je vous ai dit précédemment, grosse, grosse remise en question personnelle et du contenu que je partage sur YouTube, de la place que j'ai sur Internet, etc. Du coup, on est ressorti quand même, je vous rassure, parce que là on a l'impression que je me suis pris la tête et que la chaîne va fermer, etc. Pas du tout. Vous allez continuer à avoir ma thrombine. C'est juste que je ne sais concrètement pas exactement comment je vais faire évoluer cette chaîne. Mes goûts créatifs ont également évolué. J'ai peut-être moins envie de faire des tutoriels où je me pose en mode je vous apprends quelque chose. Et j'ai peut-être plus envie de proposer des vidéos où je crée pour moi et je partage avec vous, et où je partage des astuces aussi avec vous, mais on est plus dans une création un peu en live, etc. Je sais pas. Je continue à peaufiner tout ça. Sur le papier, mon planning est posé jusqu'à la première semaine de janvier. Dans les faits, c'est pas du tout tout filmé, hein, je vous rassure. Mais c'est fort possible que vous voyez que je fasse des tests au niveau de la longueur des vidéos, au niveau du style des vidéos, au niveau des créations que je vais proposer, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire des retours sur ah ben c'est cool, t'as fait ça, ou ah j'aime pas trop ce style de vidéo parce que voilà, tu proposes une vidéo de 10 minutes mais tu détailles peut-être pas assez, etc. Donc n'hésitez pas. Comme je dis depuis 10 ans que je suis sur YouTube, en autant que la critique est constructive, je suis prête à l'accepter et à travailler avec. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à revenir vers moi. Est-ce que j'ai des choses à vous dire dans les petites notes que je me suis fait? Remise en question, ça fait 20 minutes que j'en parle. Voilà, de programme. Oui, donc voilà, donc j'ai travaillé sur un programme, je vous le montre, la preuve en image, mon petit programme de juillet. Petit programme qui du coup est assez cadré. Si vous n'avez pas forcément envie de vous abonner aux notifications YouTube qui vous permettent de savoir quand une vidéo est publiée, sachez que les vidéos fleurs d'esprit, donc l'autre côté, sont publiées en général, non, sont publiées le mardi. Ou ne le sont pas. Soit il y a une vidéo le mardi, soit il n'y en a pas, mais il n'y en aura pas ailleurs. Éventuellement, le jeudi, il peut y avoir une vidéo bonus, soit de l'atelier, soit de fleurs d'esprit. C'est une journée tampon où éventuellement je m'autorise à faire quelques publications. Ça sera, je vous le dis tout de suite, ça sera assez rare, parce que deux publications par semaine, j'arrive à le gérer. Plus ça devient du plein temps YouTube et comme je disais du côté fleur d'esprit, je vis YouTube, c'est-à-dire que je me lève YouTube et je me couche YouTube. Et ça, j'ai pas forcément envie, même si je ne travaille pas, j'ai quand même envie de faire d'autres choses à côté. Et le samedi, vous aurez une vidéo sur l'atelier fleur d'esprit. Donc le programme est quand même assez cadré. Et autre nouveauté qui a fait suite un petit peu à ma réflexion au niveau des réseaux sociaux, c'est que je vais essayer pas mal de choses sur mon Instagram. Donc l'Instagram original, fleur d'esprit, et pas le côté sorcière. Pareil, je me suis aussi questionnée sur ce que je partageais sur Instagram, etc. Et je me suis rendu compte que je n'aimais pas mon Instagram. J'aimais pas le fouillis de mes photos, j'aimais pas la qualité parfois de mes photos, j'aimais. Voilà. Donc j'avais vraiment envie d'essayer d'améliorer tout ça, et comme j'étais en pause internetesque, en pause youtubesque, j'avais quand même un peu plus de temps pour moi pour
essayé de faire des recherches et Google étant mon ami, je lui ai demandé comment est-ce que je pouvais améliorer mon feed Instagram. Et il m'a donné quelques astuces, quelques idées, quelques outils. Donc je vais essayer de peaufiner tout ça. Mon été, mes quelques mois d'été vont à mon avis être des moments de test pour mon Instagram. Donc voilà, je vais essayer de m'amuser un petit peu. J'ai prévu pas mal de publications du côté Fleur d'Esprit, donc Instagram. Tout ce que vous voyez en orange, c'est les publications Instagram. Donc il y en a quasiment une par jour. Je vais voir si c'est quelque chose qui est gérable pour moi, si le fait qu'on soit sur des publications qui soient programmées à l'avance me convient. À la fois dans l'organisation et en même temps dans la manière de partager, parce que du coup, comme c'est programmé, on perd en spontanéité, mais on gagnera peut-être en qualité. À voir, voilà. Je ne me mets pas de pression par rapport à cet Instagram. Pour le mois de juillet et le mois d'août, j'ai déjà planifié des choses. Mais si ça marche pas, c'est pas grave. Donc voilà, n'hésitez pas pareil à vous poser du côté Instagram si vous avez vraiment envie de me suivre et éventuellement me conseiller dans mes évolutions sur Instagram. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien aussi faire évoluer et gagner un petit peu en qualité de publication. Après, je m'en fous des abonnements. Si j'ai des abonnés, c'est cool. Mais... voilà, j'ai pas de prétention d'être une influenceuse Instagram, en même temps je vois pas en quoi je pourrais influencer les gens. Donc voilà, c'est plus vraiment pour moi de me dire que je suis fière de mon Instagram, etc. Donc voilà, un gros travail qui a été fait au mois de juin, j'espère qu'on en verra les fruits au mois de juillet. Et j'espère que vous me ferez des retours positifs ou non, hein, en tout cas honnêtes sur ce que vous pensez de cette évolution-là. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter de ce côté-là Instagram? Ok. Oui, par rapport à Instagram, bah, du coup, comme je fais une publication par jour, pratiquement, il y a peut-être 2-3 jours où je publie rien. Il me faut du contenu et donc il a fallu que je fasse des petites créations. Donc là, je me suis bornée à des choses que j'aime faire en ce moment, c'est-à-dire la mise en couleur de tampons, des aquarelles, des pages de art journal, etc. Mais du coup, je suis obligée de créer et ça cadre avec un des objectifs que je m'étais fixé pour l'année 2019, que je me fixe depuis pas mal d'années d'ailleurs, c'est de créer un peu plus pour moi et de m'amuser sans forcément avoir une raison de le faire. C'est-à-dire, oh tiens, j'ai envie de me poser tranquillement et puis de faire une petite peinture aquarelle ou de faire une page art journal, etc. Donc c'est le point positif à cette programmation. Cette réflexion et cette programmation, c'est que du coup, je bricole un peu plus pour moi et du coup, je m'amuse un peu plus. Alors... voilà. Est-ce que je vous montre? Je sais pas. Non, du coup, je peux pas vous montrer les créations que j'ai fait parce que sinon, je vous spoil mes photos Instagram à flûte. je peux vous montrer une page de art journal que j'ai fait parce qu'elle est déjà publiée sur mon Instagram. J'avais fait une page de art journal. Voilà, donc ça c'est une page de art journal qui me trottait en tête depuis pas mal de temps dans la caboche et du coup je me suis dit bon, je vais me poser, ça fait trop longtemps que j'ai ces idées là, il est temps. Donc voilà, et puis est-ce que je vous montre rapidement. Wouh, voilà, vous avez vu une autre de mes pages de art journal. Après je me suis pas mal amusée avec mes feutres aquarelles où j'ai fait de la mise en couleur de petits tampons que j'avais à ma disposition. J'ai voulu m'amuser aussi à faire une aquarelle moi toute seule sans tampons en utilisant mes petites mimines pour dessiner quelque chose. Oh mon dieu, quel défi! Et du coup j'ai fait des créations pour préparer les vidéos que vous allez voir. Donc j'espère que vraiment c'est un contenu qui va vous intéresser parce que je fais évoluer mon contenu Instagram et mon contenu YouTube qui devrait évoluer au fur et à mesure pour qu'il me plaise et pour qu'il corresponde à ce que j'ai vraiment envie et pour que ce que je partage soit en ligne directe avec l'authenticité que j'aimerais apporter dans mes partages. Mais j'aimerais aussi que ça vous plaise. Donc vraiment,
n'hésitez pas à revenir vers moi. Et pour le programme à venir, du coup, je peux vous dire clairement les vidéos qui sont prévues. La semaine prochaine, vous avez une vidéo peinture. Je me suis bornée là pour les deux vidéos qui vont venir, donc la semaine prochaine et la semaine d'après, à faire deux créations qui peuvent être faites autant par des adultes que par des enfants. Alors, je me suis dit là, on est en été, les enfants sont en vacances. Du coup, ça peut être intéressant d'impliquer les enfants à faire des créations que eux seront en capacité de faire, dans la limite de leur habileté, en fonction de leur âge. Et c'est en même temps des créations qui peuvent être complexifiées pour être utilisées réalisées par des adultes. Donc je suis assez contente de mes choix. Donc la semaine prochaine, peinture spécifique avec des cotons-tiges. Je vous avais déjà proposé ça, mais du coup j'avais envie d'y revenir. Et la semaine d'après, on sera avec une petite carte. Je vous en parle pas plus, vous aurez la surprise, mais c'est une petite carte sympa qui du coup peut être faite très simplement par des enfants et par des adultes. La dernière semaine du mois, ça sera une vidéo blabla où du coup je vous parlerai un peu de ma réorganisation au niveau de mon matériel. J'ai fait pas mal de changements et du coup je me suis trouvé une idée d'organisation qui va me permettre d'utiliser un peu plus mon matériel de saison et du coup voir ce que j'utilise et ce que j'utilise pas. Voilà, c'est le programme qui est prévu sur cette chaîne, sur YouTube, du côté Atelier Fleur d'Esprit, avec une ribambelle de publications sur Instagram, que ce soit des créations ou autres d'ailleurs. Alors ça, c'était le programme à venir pour le mois de juillet. Concernant moi personnellement, qu'est-ce que j'ai prévu pour ma vie de tous les jours, c'est poursuivre mes créations, hein, comme je vous ai dit, si je veux pouvoir alimenter mon Instagram avec des créations, il faut que j'en fasse. Et puis j'ai envie de profiter et de m'amuser et de tester mes limites, de tester mes habiletés et de tester des choses où habituellement je me dirais « Oh non, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas » et de me dire « Bah si, tu sais quoi, je vais essayer et puis je vais m'entraîner et puis si j'y arrive pas la première fois, je vais essayer une deuxième fois, etc. » Donc voilà, poursuivre mes petites créations de mon côté, maintenir mon programme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là j'ai mon programme qui est sur le papier bouclé jusqu'au la première semaine de janvier, donc avec des cartes de vœux. Mais là concrètement, j'ai à peu près la moitié du mois de juillet de bouclé au niveau des vidéos. Trois quarts du mois de juillet bouclé au niveau du tournage. Les tournages sont faits, il va me rester le montage à faire. Donc j'aimerais bien continuer à prendre de l'avance, histoire de me sécuriser par rapport à tout ça, comme ça s'il m'arrive une petite tuile où je suis pas assez en forme, au moins vous n'aurez pas de trou dans la publication, ça sera assez fluide pour vous. J'ai prévu aussi autre chose, mais ça c'est très compliqué pour moi, enfin non, c'est pas compliqué, mais il faut que je me réunisse avec moi-même. Ça fait un petit moment que je réfléchis, je crois que je vous en avais parlé déjà dans une de mes dernières vidéos Quoi de neuf dans l'atelier. Je réfléchis à réorganiser mes pochettes de tampons. Déjà parce que j'ai plus de place dans mon étagère, donc il faut vraiment que je trouve un système. Et surtout parce que j'ai certaines thématiques où j'ai énormément de tampons. Qui du coup sont dispatchés dans différentes pochettes et je voudrais essayer de les réunir dans une seule et même pochette. Donc je voudrais me faire une réorganisation de tampons avec des pochettes en format A4, mais je veux que mes pochettes se ferment exactement comme là. J'essaye de trouver des options sur internet pour acheter des pochettes. J'ai pas trouvé un truc qui me convient pour l'instant parce que soit les pochettes restent ouvertes, soit c'est cher. Parce que là concrètement il me faudrait une centaine de pochettes. J'ai fait mon petit calcul. Il me faudrait à peu près une centaine, 111 pochettes exactement. Il me faudrait une centaine de pochettes pour pouvoir faire l'ensemble de mes tampons en même temps. Donc c'est quand même un investissement. Je ne vais pas le cacher. Donc je ne sais pas encore. Je sais que je veux un format A4. Je veux un support cartonné.
Je veux avoir la visibilité des tampons en arrière de la pochette. Parce que quand on a des tampons clear comme ça, bah, pas de problème, on voit bien le visuel parce que très souvent on a la petite plaquette qui nous illustre. Mais quand on a des clings, c'est-à-dire les caoutchoucs, bah, là on ne voit plus. Et surtout que moi je me suis démonté tous mes tampons bois. Donc du coup, vous avez certains tampons où c'est assez évident, on voit à peu près la forme, mais il y en a d'autres. En plus, comme c'est à l'envers, je vois pas du tout ce que c'est. Donc, je les utilise pas. Donc, ils sont tout seuls abandonnés dans leur pochette. Donc, je veux vraiment avoir ça. Donc, voilà. Entre les pochettes et le carton, il va falloir que j'investisse un petit peu. Et j'ai pas forcément pour l'instant envie d'investir une cinquantaine d'euros dans ça. Donc, je continue à peaufiner mon idée. Et puis, voilà. Je verrai si. Si j'ai un paiement YouTube qui traîne dans le mois de juillet ou dans le mois d'août, ben peut-être que j'investirai cet argent dans ça. Je vais voir. Si rien ne me tombe sur le coin du bec d'ici là, peut-être que j'en profiterai pour faire ça. Mais voilà, je sais que quand j'en avais parlé, vous avez été plusieurs à me dire qu'il y avait. Je sais même plus comment il s'appelle ce magasin. Tout le monde en parle. Le magasin pas cher là où tout le monde va là, c'est. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Mémoire de poisson rouge. Bref, vous avez été certain à me dire effectivement qu'il existe des pochettes A4 fermées. Bah comme je ne peux pas aller dans ce magasin-là, c'est compliqué pour moi. Donc j'essaye de trouver des options avec ce que je trouve sur Amazon. Donc ça, Amazon ou Emma aussi, il y a des pochettes plastiques avec à bouton, à pression. C'est 3 euros les 6 pochettes. En sachant qu'il m'en faut 111, veut calculer. Ou alors des pochettes plastiques avec, vous savez, comme le zip là, les pochettes Ziploc là, mais avec un truc fermé comme ça. Faut que je vois, mais il est certain qu'il va falloir que j'investisse un petit peu. Voilà, donc ça va me permettre de gagner un peu de place dans mon coin créa parce que du coup j'aurai moins de petites et les grandes du coup prendront un peu moins de masse dans mon étagère et bah du coup ça me permettra de voir l'ensemble de mes créations enfin de mes créations de mes outils de création. Je vous en reparlerai de toute façon j'espère que d'ici la fin de l'été j'aurai commencé à travailler là-dessus et que du coup je serai en capacité de vous proposer une vidéo pour vous montrer un petit peu mes péripéties de préparation et de réflexion sur mon coin créa. Voilà, écoutez, j'ai rien de plus à vous raconter. J'espère que vous avez passé un petit moment agréable avec moi, que ce que je vous proposerai sur Instagram vous intéressera. Du coup, il y aura beaucoup plus de publications parce que, faut être honnête, je l'avais un peu délaissé, mon Instagram Fleur d'Esprit. Je l'avais un peu délaissé parce que je bricolais peu. Parce que je m'étais quand même beaucoup consacrée à mon autre compte Instagram, le côté ésotérique au chaudron fleuri, et parce qu'il me plaisait plus. Et du coup, je me disais qu'est-ce que je vais publier? Mes photos sont moches, c'est pas intéressant, etc. Donc voilà, j'avais perdu l'intérêt à partager. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre si vous n'êtes pas encore sur Instagram. C'est Fleur d'Esprit. De toute façon, vous avez les informations au niveau de la barre info. Et en général, je vous rajoute un commentaire épinglé ou du coup, je vous rajoute des infos concernant la vidéo que vous êtes en train de visionner. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Dites-moi si vous êtes content de me revoir. Si vous dites non, je serai très malheureuse. Non, je rigole. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon mois de juillet, en ma compagnie ou pas. Profitez, du soleil si vous avez la chance qu'il fasse beau. Ici, c'est tout gris. Profitez de vos enfants s'ils sont en vacances. Et puis, éclatez-vous. Je vous dis à très très bientôt. Et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.